toi, le rusé Pierre-Yves Rozou prend l'avantage et s'ingénie à sortir tout le monde de son aspi. Aspi veut dire aspiration. Et Pierre-Yves s'offre aussi des intérieurs. Ceci dit, en tête, voici les reines de la Fun Cup, les deux filles avec pourtant un souci technique. On a un problème de frein, la pédale est très molle, donc on va essayer de ménager jusqu'au bout pour arriver, quoi. Il y en a d'autres qui ont des soucis, comme Sean Broad. Pas facile de rouler en crabe à 150 km/h. Fin de la première manche, les filles ont surmonté leur problème de frein. Elles gagnent, mais de justesse. Deuxième départ. Cette fois, on est beaucoup plus chaud que tout à l'heure et on s'enfume. La 55 a disparu dans un gros vent de sable. Pas facile à présent de remonter sur l'autoroute par un accès de service aux heures de pointe. La 14 avait été troisième en première manche, elle disparaît de la seconde. Cinquième en première manche, Maxime Soulet, le fils de Marc et Anne, termine huitième avec souci. La boîte qui recasse, donc on n'a plus de troisième, et nous avons eu plus de frein. Les trois dernières heures de course, on n'a plus de frein. En tête, victoire des filles, Sabine et Fanny, c'est bien parti en 2002. Ça comptait pour deux championnats, championnat d'Europe et championnat de Belgique. Puis il faut savoir qu'on avait joué nos jokers début du week-end. Donc il est clair qu'on fait opération full ce week-end. Et on est vraiment très contente. Avec derrière nous, là-bas, dans le fond, le petit soldat de Thierry Mont, on passe au copilotage de Freddy Loix. Copiloter Freddy Loix, c'est le rêve de beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Eh bien, il est un pilote qui a réalisé ce rêve. C'est Peter Tchoun, le champion de Belgique des rallyes internationaux. Il a pu copiloter Freddy Loix sur une spéciale en Belgique. Réaction, émotion par Peter Tchoun. Deux jours après sa 10e place au Catalogne, Freddy Loix invite dans le cadre somptueux des carrières de Lixte quelques journalistes à venir prendre la place de copilote pour admirer son pilotage. Peter Tchoun accepte Course Champions d'être notre journaliste privilégié. Je suis très content de pouvoir piloter avec lui. C'est un de mes grands exemplaires avant que j'ai commencé. Je me rappelle bien quand j'étais voir le Monte Carlo, Freddy avec la Toyota Celica. Et maintenant, je peux être à côté de lui, donc je pense que ça va être fantastique. Et Freddy, comment va-t-il impressionner son ami? Ça va être très dur parce qu'il a tout le monde même impressionné en Espagne, donc je vais attaquer à bloc, mais après, on verra. Ceinture bouclée, c'est parti pour le grand frisson. Un parcours vallonné de 4 km, au programme terre et cailloux. Vas-y Freddy, montre-nous ton coup de volant génial. Bon. Peter, tu apprends des trucs, oui? Comment on doit pas faire, hein? Non, mais je vois bien, le pied gauche, ça je ne sais pas faire comment. Pourquoi tu utilises l'embrayage pendant temps? Non, on n'utilise pas l'embrayage. C'est pour ça que le pédale sur droit et on freine avec le pied gauche. Il faut bien monter dans la tour aussi, hein? Sensation garantie, Peter est impressionné. Encore du travail à faire. Non, mais ça c'est parce que la voiture est souple et le moment que tu freines, il glisse pas. D'abord, le suspension va descendre, essayer de trouver le grip et après ça. C'est pour ça que la voiture, il bouge vraiment pour avoir la traction et dans le freinage et accélération. C'est génial. Hein? Merci beaucoup. Sourire radieux, le vainqueur groupe N du rallye de Catalogne a les yeux qui pétillent de bonheur. Peter, vous sortez juste de la voiture, vos premières impressions? Que c'est un tout bon pilote, hein. Il va très très vite sur la terre quand même. J'étais un peu impressionné, surtout sur les freinages. Ça freine vraiment tard. Et moi, je pensais pas qu'il y avait autant de grip avec cette voiture sur la terre. Il m'a quand même impressionné. Ouais. Est-ce que vous avez pu observer certaines petites choses, avez appris certaines choses en regardant Freddy piloter?
Mais je pense que j'ai plus regardé ses pieds que la route devant moi. Donc il fait ça vraiment naturellement, sans penser, et c'est ce qu'il faut. Et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous avez un problème avec vos pieds ? J'ai pas de problème avec mes pieds, mais bon, c'est sûr, le style, le pilotage sur la terre, c'est tout à fait différent que sur l'asphalte. Et bon, sur l'asphalte, je roule pas mal, je pense, mais sur la terre, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que Freddy a pu vous donner quelques conseils pendant ce bref passage ? Oui, je lui ai demandé pourquoi il se mettait le pied sur l'embrayage, mais c'était seulement pour reposer son pied. Donc j'ai dit, mais est-ce que tu utilises l'embrayage ? Parce que je vois pas rien. Non. Et puis, je lui ai quand même posé la question comment il fait en pied gauche. Et il dit, c'est plutôt pour balancer un peu la voiture, et si tu rentres trop vite, pour récupérer et tout. Oui, j'ai quand même été impressionné. Comment ? Est-ce que vous seriez prêt à prendre Peter comme copilote ? Comme copilote, franchement, il est nul. Merci les amis pour ce cours de pilotage et à très bientôt sous les plus hautes marches d'un podium. Deuxième manche du championnat du monde des rallyes juniors, le rallye de Catalogne. François Duval en était évidemment le favori puisqu'il avait gagné le Monte Carlo, mais vous allez le voir et François s'en est rendu compte, en rallye, gagner n'est pas si facile. François Duval va disputer son deuxième rallye de Catalogne, mais il se rend compte que ce sera difficile pour lui de battre, par exemple, le bouillant irlandais McShee en Opel. Et les Fiat Punto des Italiens Dalla Villa, Galli et Basso. Lors des ultimes tests avant départ, François a découvert une Puma moins performante qu'au Monte Carlo, mais il n'empêche, il positive. J'espère que la voiture sera fiable et qu'on terminera un maximum d'épreuves. Bon, je pense que la fiabilité, ça commence à être au point. Il manque plus qu'un peu de performance et la voiture pourra gagner un jour, c'est sûr. Attention à tous, ce Catalogne est un rallye éprouvant pour les pneus et les freins. Il y a trop de spectateurs dans la première spéciale, elle est annulée, il valait mieux. Dans la deuxième spéciale, François Duval signe le quatrième temps en Super 1600. Le voici dans la troisième Escaladei, le marathon de 48 km. Que puisqu'il a gagné le Monte Carlo et qu'il est en tête du mondial junior, c'est lui qui ouvre la route. Il arrive donc le premier à la fin des 48 km d'Escaladei. Ça a été quoi, mais c'est dur pour la mécanique et il y a plein de gravier. Et moi, c'est tous mes virages sont notés sans cordes. Et c'est un champ de gravier, mais il y a des escaliers de 20 cm à passer. Ah oui. Sans mousse anti-crevaison, on ne sait pas y aller, donc on est en train de nettoyer un peu. Ouais. Et puis alors, j'ai fait un petit état-queue, là, j'ai perdu un peu de temps, mais... Ouais. En tout cas, ce n'est pas le Libanais Roger Feghali qui battra Duval. L'Irlandais McShee ne sera pas le meilleur, lui non plus. Il a encore fait une figure. Spun and stalled the engine. Yeah. But it's good fun. I didn't realize they put a rear diff in it. Voici l'Italien Gian Domenico Basso, le premier en Fiat Punto. Il perd 6 secondes sur Duval. It's a difficult beach special stage. Very, very damage, yes. Yes. Attention à Galli, il avait joué la tête au Monte Carlo. Ici, il est 9 secondes plus rapide que François Duval. Enfin, voici Sola, le régional de l'étape. Il connaît les spéciales par cœur et il bat François Duval de 12 secondes. Bé, hòstia, molt difícil. Molts canvis de ritme. Andrea Dalla Villa. Eh bien, la terreur annoncée.
Il gagne la spéciale, bat François Duval de 38 secondes et prend la tête du classement général. Dalla Villa. Very long special stage. I had some problem in the front tires problem. It's very, not easy. Dans la quatrième spéciale, où Mortel s'est offert un tête-à-queue, François Duval fait le troisième temps. Et dans la cinquième spéciale, le cinquième temps. Là, on a essayé de bouger un peu la caisse, mais maintenant il n'y a plus de motricité du tout. On fait du surplace, on patine encore en troisième, alors je sais pas. Comment régler ça? On a trois jours, hein. On a trois jours pour le faire. Et c'est quoi ça, François? Ça pisse le loup, ça pisse le loup. Aucune idée. Attention, la Puma perd du liquide. Plus de peur que de mal. C'est du liquide de refroidissement surchauffé qui déborde. Au deuxième tour, sur les 48 km d'escaladei, François Duval fait le quatrième temps. Le voici cinquième du général. On a eu toujours des problèmes de frein, j'ai perdu la direction assistée, mon moteur a chauffé, j'ai eu assez bien de pépins qui ne me mettent pas toujours dans de bonnes conditions. Bon, on verra demain. Dalla Villa est en tête, 28 secondes devant l'Espagnol catalan Sola. Basso est troisième à 1,9 et François Duval quatrième à 1,54. Le deuxième jour, les deux premières spéciales sont annulées, trop de monde. La troisième a lieu. Dalla Villa, le leader. Le catalan Sola. Deuxième. L'italien Basso, troisième. Et François Duval, qui fait le deuxième temps et qui a battu tout le monde, sauf Sola. On attaque au maximum, mais la voiture n'a rien dans le ventre. 20 ans comme ça, avec cette voiture-ci, il faut vraiment y aller à fond. Et prendre des risques, la mécanique souffre. Dans la spéciale suivante, François est à nouveau deuxième. Enfin, dans les deux dernières, il signe deux fois le meilleur temps. Deux scratchs en Super 1600, c'est bon pour le moral. Et ça permet de revenir à 4 secondes de la troisième place. Ici, dans les trois dernières, j'ai attaqué fort parce que on m'a dit que la voiture était capable. Donc, j'ai tout donné. Et c'est vrai qu'on fait des temps, mais on fait pas des scratchs avec 10 secondes d'avance, donc on est vraiment tous ensemble. Puis il faut vraiment aller fort dans la mécanique, il faut exploiter tout. Dans la boîte, ça rentre, il faut que ça rentre. Et puis faut vraiment aller fort. Malheureusement, en soirée, le remontage de la boîte de vitesse pose problème et François écope d'une minute 20 de pénalisation. Le voici toujours quatrième, mais à 1,24 maintenant de la troisième place de Basso. C'est Sola qui a pris la tête, 12 secondes devant Dalla Villa. Le troisième et dernier jour, François Duval se fâche. Il veut récupérer la troisième place. Il fait d'abord un troisième, puis un sixième temps. Nous sommes maintenant dans la spéciale dominée par le fameux et célèbre viaduc d'Espinelves, bien connu de quelques amis routiers. Spéciale où Gilles Panizzi fait un spectacle total. En fait, Gilles nous le dira après, il commettait une faute et s'est récupéré en forçant un 360 degrés. Droite à fond, là. Oh, oh, oh. 80 mètres.
François Duval est maintenant en dérive. Il a subi une crevaison. Sur la jante, il perd 4 minutes 30 et bascule à la 6e place. Ouais, j'ai crevé deux fois et on a changé la roue. On perd beaucoup de temps. Crevaison mycose. Crevaison à cause. À soupirer dans le gravier, on a tapé des rochers en latéral. François termine avec un quatrième, un sixième et un deuxième temps. Mais plus rien ne changera, il est sixième. Sola gagne devant ses supporters. Et il bat trois Italiens. Dalla Villa est deuxième. Basso, troisième. Galli, quatrième. Et le Finlandais Tuohino, cinquième. Voici le classement. Victoire de Sola devant Dalla Villa, Basso, Galli. A noter que François Duval termine à 2 secondes de la cinquième place. Il y a 4 manches sur l'asphalte cette année. Et sur l'asphalte, on n'est pas au point. Sur la terre, c'est sûr que ça va bien. Mais sur l'asphalte, il y a encore un peu de travail au niveau moteur. Sinon, au niveau châssis, on est bien. Au classement mondial junior, François Duval reste en tête avec 11 points. Sola en a 10, Dalla Villa 6, Basso 4. Avant de quitter la Catalogne et le viaduc d'Espinelves, parlons encore un peu des autres Belges. On sait que Peter Tschoen a gagné le Groupe N en Catalogne, mais il faut encore saluer la victoire en classe 2 de Michel Wilders. Ça, c'est de la spéciale. C'est déjà une performance d'en sortir, mais c'est génial. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup de graviers, mais on les déjoue, c'est super. Ouais, c'est très très long. Hein. Ouais, oui, c'est très long. Mais enfin, bon, c'est pas un petit rallye quand même. Hein. Si on vient, c'est pour ça, entre autres. Et la copilote n'est pas épuisée ? Non, ça va, je tiens le coup. Est-ce qu'il y en a des pages de notes, hein ? Oui, 25. Oui, ici, il y en a quelques-unes. Et bon, elle ne s'est pas trompée une seule fois. Elle fait très bien son boulot. Je continue le contrat avec elle. Michel Wilders, l'un des rares vrais amateurs qui survit dans le mondial des rallyes, aujourd'hui pratiquement inaccessible, avec des World Rally Cars à 10 millions de francs belges, 250 000 euros par course et par voiture. Ou des Super 1600, 5 millions de francs belges, 125 000 euros par course et par voiture. Des budgets évidemment très élevés pour un amateur ou un jeune pilote, il y a donc un gros problème, avis du président de la FIA, Max Mosley. Il est très difficile aujourd'hui pour un jeune pilote de trouver un budget pour rouler avec une World Rally Car et une Super 1600. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une catégorie qui soit vraiment, je dirais, démocratique ? Non, parce que quand on parle de World Rally Car, on parle là le sommet du sport automobile. C'est pas là où les jeunes pilotes ont les problèmes. Les jeunes pilotes ont les problèmes au niveau national. S'il y a un jeune pilote avec un grand talent au niveau national, on va lui donner, les équipes lui donnent une voiture World Rally Car. Le problème, c'est si un jeune pilote, il n'a pas d'argent, comment il commence ça déjà au niveau national? C'est ça le problème. Tandis que, par exemple, en foot, on achète les chaussures et on joue. Ça mais c'est un problème général dans le sport automobile. Alors, quelle solution? Alors, la solution, à mon avis, c'est de plus en plus au niveau national des séries monomarques. Parce que si on a une série monomarque, ça permet d'avoir une voiture, toutes les voitures qui sont identiques. Alors, si vous avez 10 fois plus d'argent que moi, ça ne fait aucune différence parce que les voitures sont les mêmes. Des choses comme le Challenge Saxo, la Coupe 206 ou des choses comme ça. Exactement, et je pense que ça devrait commencer, à mon avis, en tout cas au niveau national. Et puis, quand on augmente, et au niveau international, là, à mon avis, il fallait aussi faire avec des voitures monomarques, justement pour qu'un pilote qui n'a pas beaucoup d'argent peut démontrer son talent par rapport à ceux qui sont peut-être plus riches.
Mais vraiment, c'est un problème de fond qu'on trouve dans tout le sport automobile, même dans les courses de circuit. Beaucoup de spectateurs disent que la FIA aime tellement la Formule 1 qu'elle ne peut pas aimer autre chose. Et donc, elle n'aime pas le rallye. Non, ce n'est pas du tout le cas. La majorité du temps qui est passé par nos gens dans le sport automobile, c'est pour les rallyes et aussi pour les courses de circuit outre que la Formule 1. Le problème, c'est que la Formule 1, c'est pas loin le plus médiatique. Alors, si on branche la télé, c'est la Formule 1 plutôt qu'autre chose. Et c'est pas à cause de nous, ça, c'est à cause du public. Le grand public est tellement intéressé, et heureusement, nous sommes très, très heureux qu'ils sont très intéressés par la Formule 1. Et ça a duré 30 ans pour montrer à ce niveau-là avec la Formule 1, mais j'espère maintenant on va pouvoir faire les mêmes choses avec les rallyes. Dites-moi maintenant, personnellement, je sais votre passion pour le sport automobile et pour l'automobile en général. Vous aimez la Formule 1? Oui, alors moi j'aime toujours la Formule 1 et je suis ça de très près. Et ça m'intéresse beaucoup, mais si j'étais un peu plus jeune et quelqu'un me donne la possibilité de faire les rallyes, je n'ai jamais pensé à ça quand j'étais jeune, j'ai fait les courses de circuit. Donc vous aimez le rallye? Oui, j'aime beaucoup. Oui. Non, parce que c'est très proche au vrai automobilisme. Et les pilotes de rallye sont les pilotes de route, mais de grande classe. Tandis que le pilotage sur circuit, c'est passionnant, c'est très intéressant, mais c'est pas vraiment, c'est très loin, c'est même très loin du pilotage quotidien. C'est pas le cas avec les rallyes, ce sont les... On pouvait dire que ce sont peut-être les meilleurs pilotes du monde, parce qu'ils sont plus généralistes. Les grands pilotes de circuit sont très spécialistes. Pour se remettre de ces émotions catalanes, François Duval est donc venu rouler à nouveau dans sa région, près de Beaumont, à Thirimont, le rallye sprint du Petit Soldat. Et c'est pour nous l'occasion de s'intéresser de plus près à cette discipline très en vogue. Et oui, Duval à Thirimont, même le 1er avril, ce n'était pas un poisson. Mais qu'ils ont de la chance, les enfants de Thirimont. Ils ont des parents super, qui organisent des tas de trucs toute l'année. Qui aiment l'automobile, qui ont mis sur pied un rallye sprint et qui ont enfin eu une idée géniale, faire venir François Duval entre deux rallyes en mondial. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on organise ici le rallye sprint avec le comité des fêtes de Thirimont, en particulier avec Jean-Jacques Coquette. Et c'est à l'initiative de Jean-Jacques qui m'en a parlé et apparemment on a frappé à la bonne porte au bon moment pour trouver les sponsors. Et François est venu, bien gentiment, gracieusement. Et François sera copiloté par Élodie Gustin, sa copine. Il va falloir que le pilote d'usine Ford soit à la hauteur des espoirs de madame. De surprise, François était le plus rapide et le plus spectaculaire aussi. Les 10 000 spectateurs et le petit soldat de Thirimont n'en sont pas encore tout à fait remis d'ailleurs. Ainsi donc, François Duval, l'enfant du pays, allait donc gagner le rallye sprint de Thirimont. Mais en rallye, rien n'est jamais acquis. L'homme n'est pas infaillible, et la mécanique non plus. «
Ce n'est pas la police locale qui va arrêter François Élodie pour excès de vitesse, c'est la malchance. La transmission casse à 2 km de l'arrivée. C'est dans la droite, gauche, mais pas long, quoi, pas une épingle. C'est bien, merci. François abandonne, mais ce n'est pas de sa faute, même s'il en a fait des fautes. Normalement, tu as gagné avec 2 minutes avant. J'ai fait 2 petites états queue, ouais, c'est vrai que ouais, c'est normal. Hein, c'est toujours c'est une show qu'on fait 3 fois. Bon, au total, on l'a fait 12 fois, passé au même endroit. Mais c'est sûr qu'on s'allume toujours un peu. Et tant mieux, ça a énervé un peu la foule comme ça. Élodie, c'est comment de copiloter François? C'est extraordinaire. C'est rapide. C'est extra. Vous ne vous imaginiez pas que ça allait aussi vite vu de l'extérieur? Ah non, non, ça n'a rien à voir. Il faut avoir le cœur accroché, disons. Est-ce que vous ne vouliez pas offrir cette victoire à Élodie? Ben si, je pense que c'est la première fois que je roule avec une amie. Et elle a fait super bien son travail. On a fait 2 passages de reconnaissance et les notes étaient impeccables. On avait juste le chrono et la caméra quelquefois un peu oubliée, mais le principal c'était vraiment d'avoir les notes. Et elle a fait vraiment bien son travail. D'ailleurs, je ne sais plus rouler sans notes. Et il faut quelqu'un qui parle à côté de moi. Et dans une show, il faut surtout c'est bien compter les tours. Et on a fait une super journée, elle n'a pas fait d'erreur et pas stressé du tout. Vous savez ce qu'il nous a dit? Vous savez ce qu'il nous a dit? Non, aucune idée. Il nous a dit que vous étiez une formidable copilote, que vous aviez le rythme, que les notes venaient à temps. Incroyable, hein? Que des louanges. Au match. Alors, vous en referiez un autre? Ah oui, avec plaisir. Ouais. Alain Saudoyer et Mao terminent 8e devant Dor et Dor. 7e, Gilo Catiléonard. 6e, Cantraine, Lurquin. 4e et devant Gallet, De Roubaix. 3e, Skeppers, Suffelers. 2e, le général du spectacle, Jean-Claude Benet. Et sa princesse, Sabrina Herbier. Ils ont bien mérité quelques-unes des 115 coupes distribuées à la remise des prix et le magnum familial de Thierry Montoise. Premier et vainqueur général, Patrick Delchambre, citoyen de Mâcon, sur 205 maisons. Je ne pensais pas gagner, je pensais finir même 3e en division A2-3. Je gagne, mais... Ah oui, je suis vraiment content aujourd'hui. C'est qui votre vedette, votre idole en sport automobile? Bon, Freddy Loix. Ah, c'est pas François Duval. Ah, François aussi, ah ouais, ouais, François aussi. Thierry Mont, c'est pas un peu petit à côté de Catalogne, de Corse, de Monte-Carlo? Si, c'est petit, mais avec le nombre de supporters, on se croirait en championnat du monde, donc c'était presque le même. Soldat difficile. Attention maintenant, après ce week-end de Pascal particulièrement ensoleillé qui fait déjà penser aux vacances, l'actualité rallye reprend à plein tube en Belgique. Préparez vos agendas. Juste après le fameux rallye de Hannu, voici Tilt avec Tchoun, De Winter, De Wulf, Pascal André, William DeVos, Jean-Marc Gaban, Bob Colsoul et Patrick Sneijers. À voir samedi 6 avril à Tilt.